prononcer du mieux possible ce nom. C'est une gym qui a déjà réussi des performances. Hein. On l'avait suivi ensemble à Porto, notamment en Coupe du Monde, avec une deuxième place assez agréée. C'est la première fois qu'elle est en finale mondiale. Ouf, oh, l'une salto. Ah, quel dommage, quelle erreur. L'une salto avant tendu avec vrille et demi. Elle est debout et en se présentant, elle met le pied sur la ligne jaune. Oh là là, et je ne sais même pas si elle l'a vu d'ailleurs. Regardez, l'une salto avant vrille et demi. Elle est debout. Elle se présente et là elle met un pied sur le côté, on va le voir sur cet angle là, en se présentant. Décidément. Et on ne le verra jamais. En attendant la note. Oh, 14.600. 5.9 en difficulté. C'est l'une des notes les plus intéressantes au départ. 8.7 en exécution. Et le deuxième saut pour la Vietnamienne. Note de difficulté annoncée, 5.8, Laurent. 5.9 au premier saut, 5.8 au deuxième saut. Si ça passe, ça peut lui permettre de passer devant Jade Fernandez-Barbosa au classement provisoire de cette finale au saut féminin. Phase de concentration, 25 mètres de course d'élan. Et cette fois-ci, un saut Yurchenko. Et Yurchenko double vrille. Elle fait fort en deuxième saut. Hein. Elle mérite sa finale. Ouais, il va falloir jeter un œil attentif à la note qui va sortir pour Phan, la Vietnamienne. Attention. Sur ce problème d'exécution sur la réception. Elle est surprenante, oui, parce qu'elle est debout. Il n'y a pas... Elle finit, il manque un tout petit peu de rotation sur la fin de sa double vrille. Absolument. Ça va de 1 à 3 ou 5. Donc là, sur ce coup-là, c'est plutôt sur un dixième. Et non. Pourquoi non? Mais si. Avec 14.733 et 14.666, elle est leader.